Si du coup on a le petit Loka qui vient de venir nous interpeller pour nous expliquer qu'il y avait une école de dresseurs ici et que Yann y avait déjà été. On va visiter un petit peu la ville, on va voir un petit peu ce qu'on peut faire à Félicité et on va fouiller les maisons, voler les gens et danser la macarena. Comme toujours, qu'est-ce qui se passe ici dans une bibliothèque? Salut à toi, dresseuse. Je ne sais pas. Si tu ne sais pas quoi faire, j'ai un conseil pour toi. Parle à tous les gens que tu croises, va dans les endroits, dans tous les endroits possibles. C'est comme ça que tu trouveras ta voie. Bon, oui, ça se tient. Ça se tient. Les Pokémon sont des créatures merveilleuses et profondément mystérieuses. Mais pour les dresseurs, tout ce qui a l'air de compter, c'est le combat. Mais non, nous, on est amoureux de nos Pokémon, on dirait à Van Gogh. À Van Gogh. Pour ceux qui préfèrent. Ok. Nanananananananan. L'évolution rend les Pokémon encore plus mystérieux. Alors, l'heure de ta Switch dépend. Ah, tu penses que c'est. D'accord. Que, bah, en gros, c'est en temps réel. Donc, si je veux choper des Pokémon qui n'apparaissent que le matin ou que le soir, il faut qu'on soit à des horaires du matin ou des horaires du soir. Ok, sur la Switch. Intéressant. Intéressant, intéressant, merci. Tu sais qu'il y a des Pokémon qui évoluent quand ils gagnent assez d'expérience en combat, quand ça leur arrive, ils doivent parfois changer complètement d'apparence. Ok. Est-ce qu'on peut prendre des trucs là-dedans? On peut rien voler? Zut, je voulais voler des trucs. Y a pas de poubelle? Pas de poubelle. On s'en va. On prend la fuite. Ta-da-da-da-da-da-da. Alors, j'échange des Pokémon avec mon ami. Oh, vous êtes mignon. Toi aussi, tu vas me dire la même chose? Je donne un objet à mon Pokémon avant de l'échanger pour que ça fasse encore plus de plaisir, encore plus plaisir au milieu de le recevoir. Ce mignon. Ce type pas mignon tout plein. C'est beaucoup trop chaud. On va saigner tout ce beau monde. Oui, veuillez vous occuper de mon équipe, s'il vous plaît. Ta 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 ta. Je parle à tout le monde, hein. Je parle toujours à tout le monde parce que des fois il y a des personnes qui donnent des objets, etc. Donc je prends tout. Je suis pas sûre à 100%, ça marche pour les Pokémon qui spawnent que certains jours. Ok, je vois. Je vois, je vois. Je note, merci pour l'astuce. Ok, on s'en va. Je regardais s'il y avait quelqu'un ici au cas où, mais on s'en va. Avec les petites musiques là, j'adore. C'est la reine Pokémon, tu sais là. À moins que ce soit l'école de dresseurs, du coup. Es-tu calée en matière de Pokémon? Ouais, plutôt. Tu sais donc beaucoup de choses sur les Pokémon, c'est bien. Dans ce cas, je suppose que tu n'as pas prévu de te rendre à l'école des dresseurs. Mais si jamais, tu devrais y aller si t'as le temps. Ok. Si je dis non, il me dit quoi? Il m'explique des trucs? Ouais, d'accord, il me dit la même chose, quoi. Genre, va à l'école de dresseur, concrètement. Concrètement, concrètement, il est juste là. Il y a quoi d'autre à visiter avant? Il y a plein de trucs. Coucou! Ah, là, c'est le. Là, c'est l'arène, non? Je suis vraiment navrée, mais la station même n'est pas encore ouverte au public. Ah non, c'est une station. Pardon, pardon. Ok, j'ai compris. Je vais à l'école de dresseur. Je vais sûrement croiser Yann. Donc go. Coucou Yann, viens on se tapait tous les deux. Oh t'es là Q, t'es venu étudier toi aussi, genre Yann étudie. Je suis surprise. Je pris de l'avance en mémorisant tout ce qu'il y a sur le tableau. Et oui, un dresseur a le devoir d'apprendre à éviter que ses Pokémon se blessent au combat. Et toi alors, qu'est-ce qui t'amène ici? Hein? T'as quelque chose pour moi? Un colis! Un colis sauvage. Une carte, génial. Pourquoi il y en a deux? Une seule ça me suffit. Il y en a une pour moi. Du coup, tiens, Kyo, je t'en donne une. Trop cool. Voici notre petite carte. Vous obtenez une carte. Trop chouette. D'après la carte, je dois me rendre à Chabourg maintenant. Il y a une arène là-bas, ce sera parfait pour endurcir les Pokémon que je viens d'attraper. Je suis sur le point de devenir le plus grand dresseur de tous les temps. Allez, salut. Oui, bien sûr, le plus grand dresseur de tous les temps, je n'en doute point. Vous pensez que mes Pokémon doivent être level combien pour la première arène, les loulous? Dites-moi. Dites-moi, dites-moi. C'est quoi la faiblesse de la reine d'ailleurs? Tu viens de devenir dresseuse, pas vrai? Tu devrais te renseigner sur les sujets que tu ne connais pas bien. Je suis d'accord.
Ouais, c'est quoi le type de la reine? Et faut être level combien à peu près, dites-moi. Il a bien du livre d'images sur les Pokémon. Ok. Des albums photos. On parle à tout le monde. Hein. Les Pokémon sont capables d'utiliser les objets qu'ils tiennent. Mais ils ne savent pas utiliser certains objets conçus par les êtres humains, comme les potions. Ok. Je me dis dans mon cahier tout ce qu'il y a à savoir sur les dresseurs Pokémon. C'est mignon. Nanana. Tu veux te battre? C'est la meilleure façon d'apprendre. Ça me va. Allez, go. C'est parti. Tout, 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 tout. Non, 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 non. Ce jour, un jeu, le bouquet me dit que je peux monter un loup géant. Si j'ai autant de puissance, j'ai beaucoup plus. Sauf que ça ne marche pas, mon courage. Courage, courage. Faiblesse haut, c'est type roche. Parfait, parfait. J'ai mon petit diplôme, il sera nickel pour la première arène. Il sera nickel pour la première arène. Level 10-12 sur Tiplouf. Tu l'as fait en solo, tranquille. Bon bah c'est cool. Merci pour l'info. Bon, on fait le tour de la ville tranquillou. On tape ce qu'il y a à taper en chemin. Et puis, on va tranquillou à l'arène. Hein. Dans ce cas. Ah, vous êtes pas d'accord. Il y en a qui me disent à partir du level 14. Ok, ça marche. Ça marche, ça marche. Nanana, que t'es belle ma puce. On l'a battu, yay! Je me suis même pas rendu compte. Merci pour la tinasse, je prends, je prends. C'est dur de gagner si tu n'as pas beaucoup de Pokémon, c'est sûr, vu comme ça. Je veux bien combattre moi aussi. Je ne sais pas si on va bien se débrouiller, accepterais-tu de m'affronter, ça me va. Ce jour, un jeu de l'évoqué me dit. Ah oui, ça j'avais déjà lu. Je radote, t'es la grand-mère que je suis. Non, 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 non. Un petit Abra, en vrai, ils sont trop stylés l'Abra. Moi aussi, je veux des Abra. Tu fais des papouilles aussi? Mio, elle fait des papouilles. Elle est trop mignonne. Mio, c'est mon chat, pour ceux qui se demandent. Tu veux d'autres papouilles? Et da 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 Écrase face. C'est pas très gentil. Mais c'est efficace. C'est tout ce qui compte. Tu veux t'asseoir là ma puce ou tu vas aller dehors? Qu'est-ce que tu préfères? Des papouilles? C'est mignon. Oh non, elle a enlevé Abra. Ah bah non, il est mort en fait, pardon. J'ai cru qu'il l'avait enlevé. Qu'il prenait la fuite ou qu'il changeait de Pokémon. Ah bah elle vous fait des câlins. C'est la ASMR chat. C'est cadeau, c'est pour vous. Tu ronrons? Peut-être vous l'entendez ronronner. Je crois bien que ce micro soit assez sensible pour les ronrons. Parce que là, elle est collée à vous. Oh. C'est le moment chat. C'est ici pour voir le deuxième meilleur jeu du monde, bien sûr. Coucou Yggdrasil, comment ça va? Tu te l'es pris aussi ou pas, raconte. Est-ce que tu kiffes ou pas? Dis-nous. J'adore. Moi, je suis très très nostalgique parce que j'y ai joué sur la DS à l'époque. À l'époque. Je suis si vieille, donc. Et du coup, je suis très nostalgique et puis je m'en souviens pas du tout. Je me souviens de quelques trucs, mais juste quelques trucs. Et comme je m'en souviens pas, c'est l'occasion de le refaire pour le redécouvrir Il prendra un maximum de plaisir, n'est-ce pas? Oh non, courage! Courage, courage! Ah, c'est qui lui? Un monsieur moustachu. Que vois-je? Une dresseuse Pokémon sans Pokémontre! Il va me vendre sa merde, pardon. Achète ma merde! Tu n'as jamais entendu parler de ta Pokémontre? Ou montre Pokémon, tu préfères? Eh bien, tu es vraiment un drôle de cadeau oiseau. Heureusement, c'est ton jour de chance. Je suis un fabricant de Pokémontre, vois-tu? Il se trouve que je mène une campagne de promotion en ce moment. Il te suffit de trouver 3 arlequins à féliciter. Tu y arrives, je t'offrirai une Pokémontre. Des arlequins, c'est-à-dire? Bon, on va essayer de les trouver, hein. Moi, je veux une. Ah, bah j'en ai trouvé un là. Moi, j'avais des Pokémontres offertes, ça me va, hein. Coco! Je suis un arlequin de la campagne Pokémontre. Sans transition, voici la question. Un Pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points d'expérience? Bah oui. Bien évidemment. Et c'est la bonne réponse! Les Pokémon deviennent plus forts en gagnant des combats. Certains changent même d'apparence quand ils deviennent assez puissants. C'est ce qu'on appelle l'évolution.
Insupportable. Tiens, tu es bien tombé très... Tu as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. Merci pour la Pokémontre sauvage, c'est très gentil. Je prends toutes les Pokémontres du monde. Vous obtenez le bon 1. Trop bien. Vous rangez dans la poche objet rare. Ok. Arlequin suivant. Les petits arlequins, s'il vous plaît. Un arlequin là. Coucou. Je suis l'arlequin de la campagne. La question. Un Pokémon peut-il tenir un objet? Oui, tout à fait. Et c'est la bonne réponse. Ok. Les Pokémon les mangent. Tu as bien mérité ton bon pour une Pokémontre. Merci beaucoup. C'est le bon 3. Ça veut dire qu'il y avait un autre arlequin en chemin que j'ai loupé. Où qu'il est? Il doit être dans le coin, non? Pas par là. Nani nani. Tu as participé à la campagne Pokémontre? Si tu ne t'y es pas encore intéressé, tu devrais vraiment y participer. J'y vais, j'ai compris. Je suis obligée d'avoir cette Pokémontre gratuite, dis donc. Donc il y en a un là, bah plus loin sinon. Ah, il y en a un là. Coucou! Je veux le bon 2, s'il vous plaît. Les capacités ont-elles des types comme les Pokémon? Les capacités ont des types, oui, tout à fait. Bravo, c'est la bonne réponse. Il inflige plus de dégâts. T'as bien mérité ton bon. Et merci. C'est parfait, merci beaucoup. Nananana. On n'a plus qu'à récupérer la Pokémontre. Il est où le monsieur? Il est là. Coucou, je veux ma Pokémontre. Laisse-moi compter tes bons. Parfait. Je dirais même, bravo. En échange des bons, je t'offre cette Pokémontre. Tenez une Pokémontre. C'est louche, un inconnu qui nous offre une montre. À mon avis, elle est géolocalisée et va nous suivre partout. Très louche, très louche. Tu peux acheter des applications à ta Pokémon pour la rendre encore plus polyvalente. Appuie sur le bouton R pour l'essayer. Alors, le bouton R pour l'essayer. Ok. Nanana, il disparaît. On peut pas le retrouver, super. Trop bien. Ok. Ça nous donne l'heure. Du coup, sur ma Switch, il est 15h. Tout s'explique. C'est trop mignon. C'est une calculatrice. Je tente. 6-3. On va voir si ça me donne le résultat. Égal. 3. Ouah, c'est à l'ancienne. J'adore. Ah, l'ancienne. Oh, c'est un compteur de pas. Oh oui. Quel bonheur, on va les soigner tout ce beau monde. Est-ce que je peux la désactiver ou pas? La petite Pokémon. Je peux pas la désactiver? Ah. Oupsie. Je vais mettre ouais, mon équipe comme ça. Si je peux pas la désactiver, autant qu'elle soit utile, dis donc. On peut la désactiver, non? C'est un vieux qui veut kidnapper Q. Attention, franchement, c'est louche. Franchement, c'est louche, du coup, je ne l'ai pas acheté. Mais j'aime pas trop les remakes Pokémon, du coup, je prendrai Arceus Enchanté, ouais, je comprends. Non, moi j'aime bien parce que je me souviens plus des anciens, donc ça me permet de les refaire et de les découvrir avec vous. Donc ça fait plaisir de les redécouvrir avec vous. Il y a un moyen d'enlever la montre en haut, non? J'avais fait avec un rose bouton. J'ai dû faire en sorte d'être plus safe, je vois. Mio? Madame Mio. Tu montes? Viens, mon cœur, je te fais une place. Tu veux des papouilles ou tu veux aller dehors? C'est toi qui choisis. Mais choisis bien. Je profiterai des soldes après Noël, ouais, je comprends. Ok. Alors, je joue de manière à toujours être sûre de pouvoir faire l'arène rapidement. Je vois, ok. Nananana, nanana. Ta-ta-ta-ta. Elle vous observe. Pourquoi il y a un vieux nuage devant notre tête? Ah, c'est des ombres de nuages. C'est rigolo. Alors, on fouille tout ce qui traîne. Donc ça, on avait déjà vu. Ok. La rue suivante, on n'a pas tout regardé. Du coup, petite boutique Pokémon ici. Un arlequin ici, on lui a déjà parlé. Ça. J'ai accroché 6 Pokémon à ma ceinture. Ouais, ça devrait aller. Je pourrais transporter jusqu'à 6 Pokémon. Bon, vous allez quoi me dire? La ville de Félicité a été bâtie sur un terrain creusé dans une montagne. Les habitants et les Pokémon de Chabourg ont participé aux travaux. Ok.
J'étudie à l'école des dresseurs, tu sais? Toi aussi, tu ferais mieux d'y aller. Tu m'as l'air un peu faiblarde, c'est pas très gentil. c'est pas très gentil, madame. Veuillez cesser de me bully de la sorte, s'il vous plaît. Je sais que c'est un peu soudain, mais est-ce que t'aimerais rejoindre un groupe? Non. Si tu rejoins un groupe, tu peux rivaliser avec les autres membres du groupe ou coopérer. C'est très amusant. Ça te dit? Demandez des explications. Si l'échange est donné dans une salle de communauté, tu pourras rejoindre un groupe. Rencontrer là-bas. Quand on est dans le même groupe que d'autres personnes, les événements peuvent nous arriver. En même temps. C'est donc beaucoup plus amusant de jouer en groupe. Je vois, je vois. Tout le monde peut créer un groupe ou en rejoindre un. J'espère que tu recruteras plein d'amis et que vous amuserez bien ensemble. Bon. Ben non, là, j'ai pas besoin de faire un groupe maintenant, mais si ça me donne une récompense, je le fais. Pour désactiver, on maintient la touche R. Ah, voilà qui me fait plaisir. Nigel, j'ai soigné mes Pokémon ou pas, du coup? Vérification, ouais, ils sont soignés, parfait. Par contre, ouais, c'est pratique, du coup, pour checker si nos Pokémon sont soignés ou pas. Tu as vu la télé? J'ai été interviewée. Ah bon? Bah, trop chouette, alors on peut pas aller dans ce bâtiment non plus pour le moment? D'accord. Bon, super. Tu viens d'où? Tu viens de Bon Augure? C'est un endroit sympa, tranquille et tout. L'Isité est une grande ville, ça doit te faire un choc. Non, ça va, tranquille. Y'a pas des événements dans cette grosse tour là à côté de nous? Genre en haut de la tour y'a des trucs, non? Ça me dit quelque chose. Ça me parle. Tes Pokémon sont trop mignons. Tiens, je vais leur tenir cette vive griffe. Oh merci, c'est gentil. Ça fait quoi les vives griffes? Je sais plus. On va regarder de suite. Donc on a une carte maintenant, ça fait plaisir. Oh là là, la carte est trop belle. Ok, trop bien. Floraville, c'est où? C'est là? Oui, c'est bien, regardez. Union Police. Mont Coronné. Vestigion. Là, c'est là où on va. Chabourg. Ok. Floraville, c'est où? Je veux mes Pokémon légendaires. Ok. Voilà, c'est si loin? Je voyais pas ça si loin. Là-haut, c'est la Ligue, non? J'ai dû la louper, je pense. J'ai dû la louper! Ça doit être un petit point. Alors nous, on vient d'ici, à notre gauche. Jolie berge. Floraville. Ah non, c'est juste au-dessus. C'est bientôt, alors. C'est bientôt. Ok, tu dois aller à droite avant. Ok, ça marche. Merci pour les tips. Ok. Trop chou. Oh, c'est trop mignon. Moi aussi, je veux un Pachy. Un dresseur n'est rien sans sa Pokémon. Et nous, on est rien sans nos téléphones. C'est faux. Il y en a qui s'en sortent très bien sans téléphone, mais c'est vrai que c'est pratique. Les téléphones. Tata. Ok, merci Léolo. Coucou Team Rocket, comment tu vas? Comment ça va? Comment ça va? Trop bien. Une perle de la symbole, tu m'en donnes une, s'il te plaît? Il m'en a pas donné, il aurait pu. Il aurait pu faire l'effort. Lui, avec son filet, c'est pas un gars qui va nous demander des Pokémon en échange de quelque chose? J'aime quand mes Pokémon utilisent leurs capacités. Parfois, quand ils deviennent plus forts, ils en apprennent de nouvelles. J'adore la nouveauté. Ça rend les choses encore plus intéressantes. On peut pas aller plus haut? Zut. Je me souviens d'une tour où on pouvait monter super haut. Nananana. Donc on va direct à droite? Non, on finit de visiter la ville quand même. Là on peut pas y aller, il y a un arlequin qui nous bloque pour le moment, donc on attend un petit peu. Elle, on peut lui parler. Plus tu voyages avec un Pokémon, plus il t'apprécie. Enfin, c'est mon impression. Là, on peut aller là-dedans. Qu'est-ce qui s'y passe? Allons voir ce qui s'y passe. Je vais continuer à développer des applications pour la Pokémon. Tout comme les Pokémon évoluent. Ok, intéressant. Bonjour, bonjour, je suis le président de la compagnie Pokémon Tracery. Je suis en train de développer une nouvelle application pour la Pokémon. Mon petit doigt me dit qu'elle sera prête une fois que tu auras obtenu un badge. C'est noté. Bon bah. Tout nous pousse à aller chercher un nouveau badge, hein. Bienvenue chez Pokémon Tracery. Nous sommes une petite entreprise familiale, ne t'attends pas à une multinationale. Ok, c'est noté. La petite Mio veut sortir, je lui ouvre. J'y vais, des bisous, mon stream, et tout ça marche, de gros bisous, Phoenix. Des bisous, des bisous.
Bon courage pour la première arène, merci beaucoup. Bah j'aimerais bien choper un dernier Pokémon avant d'y aller. Un Pokémon que j'ai pas de préférence, je voulais choper le petit Crisique de base. Mais j'ai pas réussi à tomber dessus parce que on est ni le matin ni le soir encore. Et du coup je peux pas le choper pour le moment. Ok, ça marche. La satisfaction client. Bah s'il y a plus d'étages ici que là-bas dans le grand bâtiment avec plein d'étages. Super. En plus, c'est des Meloka et des Pachirisu. Il y a plein de machines ici, on peut y aller? Ouais, on peut y aller. Je peux voler des trucs? Je vais voler des Pokémon, s'il vous plaît. Je veux tout voler. Il y a pas des poubelles pour voler des trucs? J'ai pas... Oh, des poubelles. Zut. Non, rien d'intéressant ici. J'ai battu 4 arènes déjà. GG. Bah écoute, GG à toi Team Rocket. Moi je prends mon temps. J'en suis encore... J'ai même pas attaqué la première arène. Elles sont toutes vides, c'est pas rigolo. Je veux trouver une Pokéball dedans. Ou des Pokémon, des trucs rigolos. C'est la femme du président. Mais elle a commencé sa carrière dans un petit atelier où elle bricolait ce qui lui plaisait. Maintenant, elle fabrique des objets qui rendent les gens du monde entier heureux. C'est fou, c'est sûr. Il y a deux modèles, chacun d'une couleur différente. Elles sont toutes vides. Ils auraient pu en remplir une quand même. Sniffouille. Tristesse et désespoir. Ok, trop cool. Ça c'est la map. Ok, on s'en va. Pour ceux qui ont pris le jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-nous. Que pensez-vous du jeu? Est-ce qu'il vous fait kiffer ou pas? Est-ce que vous aimez bien les graphismes? Racontez-nous. Tu vas me sortir par là parce que c'est rigolo. M'en faut pas plus, hein. Il en faut peu pour être heureux. Vraiment très peu pour être heureux. Faut se satisfaire du nécessaire. J'ai le droit d'aller par là pour le moment ou pas encore? Bah apparemment j'ai le droit. On m'a rien dit. Trop bien. On reviendra plus tard. On a d'autres zones à aller checker. Je vais voir si... Je pense qu'il faut que j'ai mon premier badge avant de continuer de visiter ici. On va aller chercher le premier badge, comme ça on ira chercher ensuite Mew et Jirachi. Et ça fera plaisir, mais j'aimerais bien choper en chemin un petit Pokémon pour compléter l'équipe quand même. Avant d'attaquer le premier, la première arène. Tout de même. Là je peux toujours pas passer? Non, toujours pas. Ok, on fonce alors. On va voir si on peut faire la première arène ou pas, on va tenter. Franchement, on va essayer d'XP un petit peu quand même. Parce qu'on a un peu à la traîne encore. Mais qui voilà, ne serait-ce pas Yann, dis donc. Quelle question évidemment que je me suis améliorée. D'ailleurs, je vais te le prouver. Ouais. Si on le bat, c'est qu'on est prêt pour l'arène. Il n'y a toujours que deux Pokémon. Bon, tranquille. Il envoie un étourdi, il commence avec un petit étourdi mignon. Ok, ça marche. Bon, on va lui faire sa fête, hein. On va lui faire sa flatte. Tac et tac. Bah c'est pas très gentil, ça. Et Yann, il faut encore penser à racheter un peigne. Hein. Toujours, hein. Il a toujours autant les cheveux ébouriffés. Bon, c'est rigolo comme coiffure. Si ça lui fait plaisir, après tout. Ça fait plaisir. Il me semble que Tortipo, c'est la faiblesse de... La plante, c'est la faiblesse de l'eau, on est d'accord? Donc je vais éviter de caler une attaque pistolet à eau. On va tenter, il y a un charme, tiens, voir ce que ça donne. Je sais pas ce que ça fait. C'est rigolo. Est-ce que c'est la même attaque que... Ah non, rien à voir. D'accord, il a juste fait baisser son attaque, quoi. Pas très drôle. C'est pas très drôle. Ok, on tente un écrase-face, du coup.
Du bob de queue, c'est un pistolet à eau sur pattes, clairement. Je vais tenter le pistolet à eau, mais pas sûr que ce soit très utile contre Tortipus. What the fuck. J'étais pas prête pour cette attaque, j'avoue. J'avoue. Ok, on tente. Nanana. Ouais, je m'en doutais, il prend rien du tout. Tant pis, on va y aller à la charge, hein. Mais bah, à ce rythme-là, il va m'avoir avant que moi j'ai eu le temps de l'avoir, du coup. Ça va être le moment, c'est moi qui vous le dis. Je peux tenter de sortir un... Bah non, même l'excès, c'est pas très intéressant. L'électricité sur la plante, ça fait pas grand-chose. Après, j'ai des étourmis, des trucs comme ça, mais pas très intéressant non plus. Bah ouais, hein, clairement, c'est son attaque la plus puissante. Après, bon, quand on se retrouve sur des Pokémon qui sont insensibles à l'eau, c'est moins intéressant. Mais oui. Tu fais déjà des échanges au Alux? Eh ben dis donc, c'est que ça torche bien le jeu, par exemple. Désolée, je garde mon diplôme. Je vais faire ma première arène tranquillou, moi je prends mon temps, Et nananananananana. Ça avance à une vitesse, merci pour le follow, bienvenue à toi et bienvenue à toutes les petites frimousses qui débarquent sur le live et se battent à vous présenter et me dire ce que vous faites dans la vie, la couleur de votre canapé, votre petit prénom, tout ça, dites-nous tout, on veut tout savoir. Bon, il s'agirait de mourir à un moment, Tortipus, s'il te plaît, fais l'effort là, il prend plus rien. Non. Allez, un petit coup critique, Tiplouf, tu vas le faire, C'est douloureux, mais non, du coup, il va avoir mon Tiplouf avant que j'ai son Tortipus. Ah, ça passe? Ça passe. De justesse, mais ça passe. Bon bah ça s'est fait aussi tu veux. On a mis le temps. Ah HP t'as vu c'est ridicule. Oui tu es blond Yann, c'est tout nouveau. Tu es blond et tu as une coiffure à couper le souffle. C'est quoi ce délire, j'ai perdu? Merci pour la tinasse. Comment ça j'ai perdu? Je te préviens, c'est pas prêt de se reproduire. Je vais devenir le dresseur le plus fort du monde, tu vas voir. Je vais commencer par battre le champion d'arène de Savour. Puis je vais m'entraîner à fond pour y arriver. Oh. Nous on va aller soigner tout ce beau monde. On va aller fouiller un petit peu les hautes herbes ici pour voir ce qu'on y trouve. Et du coup on va choper un petit peu quelques Pokémon, taper quelques Pokémon et foncer sur l'arène. On va se faire ça. T'inquiète, Yann, y'a pas de soucis. Les HP qui montrent à quel point le Tiplouf était déterminé à gagner, clairement. C'est bon, tout le monde est en forme. Non, je voulais ranger. Hop là, parfait. On fonce. Zébardi. Pour le moment, on peut pas monter là-haut. Si, on peut. Si, on peut monter là-haut, mais c'est pas notre objectif principal. D'abord, on va faire l'arène, et ensuite on montera pour chercher les Pokémon légendaires. Les petits Pokémon légendaires, qu'est-ce qu'on peut choper par ici? Déjà, il y a du dresseur à taper, mais j'aimerais bien choper un nouveau petit Pokémon. Ça me ferait plaisir. Alors ici, on peut choper pas mal de trucs. Noceraptie, Abra, Crisix, pareil, matin-nuit. Elixir, ok, ça marche. Nuit, c'est... Noceraptie, c'est nuit, uniquement. Oui, j'ai envie de changer l'heure de ma console, j'avoue. Ah, coucou toi! Viens, on se tape tous les deux. On le chope! Alors, on va essayer de pas le tuer. Pistolet à eau une fois, on va voir ce que ça donne. J'espère que ça va pas le tuer. Parce qu'il est level 5 quand même, donc... Ça passe. On peut tenter de l'attraper comme ça passe.
On peut tenter. Allez, votez. Nickel. Notre petit 9 sera petit. Parfait. On jette un Crisix et on fonce soigner tout ce beau monde. Et ensuite, on attaque tous les dresseurs qu'on croise et tous les Pokémon qu'on croise pour level up tout ça. C'est par où qu'on va? Oh là-bas. Ah, faut passer par la grotte de toute façon. On est obligé de passer par la grotte, non? On est des racketeurs malgré nous dans Pokémon en fait, clairement. Bah, c'est de leur faute, ils m'agressent. Ils ont qu'à pas perdre, ils m'agressent. Hein. moi, j'y suis pour dire, ouais, on est obligé de passer par la grotte. Ok, ça marche. C'est parti. Allons-y, let's go. C'est parti, les amis. Nous allons y arriver. J'aimerais bien soigner mon petit Tiplouf. Je vois que tu as une Pokémon. Ça ne fait pas très longtemps. Tu es dresseuse, non? C'est super, plus on est de faux, plus on rit. Laisse-moi t'offrir une CT. Trop bien. Et une application pour ta Pokémon. Tenez des CT. Trop cool. C'est quoi les CT qu'il nous a donné? C'était 98. Contient une Aiglacroc. Trop cool. Permet d'enseigner des capacités aux Pokémon. Mais attention, elles sont à usage unique. Réfléchis donc bien avant de t'en servir. Parlons maintenant de l'application que j'ai installée sur ta Pokémon. L'application Capacité Secrète. Si tu utilises Aiglacroc via celle-ci, tu pourras briser des petits rochers qui te bloquent sur le passage. Enfin, ça ne fonctionnera que si tu possèdes déjà le badge de la Reine de Sabour. En effet, les badges d'arène sont nécessaires pour utiliser capacité secrète. Trop cool. J'ai hâte de voir les progrès que tu vas faire grâce à ta nouvelle appli. Trop bien. Les capacités de l'application pour Pokémon, capacité secrète, permettront de franchir les obstacles qui vous barrent la route. Trop bien. J'adore. J'adore, j'adore. Je vais pas commencer à éclater des trucs pour le moment. Hein. La meuf les évite outrageusement. Je fonce direct à l'arène. Ah, c'est pas encore la reine. Salut dresseuse. Si tu n'as aucun badge, les autres dresseurs vont te regarder de haut. Laisse-moi te montrer où se trouve la reine de notre ville. Ah d'accord. Bah go. J'aimerais bien soigner ma team quand même d'abord. Elle est là. Nan 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 nan. Il y a quelqu'un devant la reine. Oh, mais qui voilà, ne serait-ce pas Yann, dis donc. On va les soigner tous ce beau monde d'abord. On va les soigner régulièrement tous ce beau monde. là. Le centre Pokémon. Mais oui, j'ai envie de faire vite cette arène, même si j'aime bien souvent quand je fais les arènes d'avoir beaucoup plus de level que ce qu'il faut pour faire l'arène. Mais là, j'aimerais bien choper Mew et Jirachi rapidement. Du coup, je fais l'arène. On attaque l'arène tranquillement, mais sûrement. Nickel. Allons taper Yann. Coucou toi, viens se taper. C'est toi Kyo, t'arrives enfin, tu traînes toujours autant. Tu traînes tellement que le champion est parti depuis longtemps. Ah, il a dit qu'il devait aller à... Ah oui, la mine de Charbourg. Je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux, moi de toute façon j'ai déjà mon badge. Ah bah d'accord. Lui il a son badge et nous on n'a pas le droit d'avoir notre badge, super. J'ai déjà dit, il est pas là. Si tu veux l'affronter dans l'arène, d'abord le chercher à la mine. En tout cas, se battre contre un champion, ce n'est pas de tout repos. Ce combat m'a lessivé. Moi j'y veux juste pas nous laisser passer hein. Bon bah on va aller chercher à la mine. On parlera à tout ce beau monde après. C'est pas toi le champion hein. Non c'est pas toi. C'est où la mine? Ça a l'air d'être par là non? Mine de Charbourg. C'est pas lui? Je sais pas où je dois aller mais j'y vais hein. Non, ça n'a pas l'air d'être par là. Je sais pas du tout où je vais. Mais j'y vais. Ah, une petite Pokéball. Corps de sortie. Ah, c'est pratique ça. Ça, ça nous fait plaisir. Un petit Magic. Non. Une petite potion, ça fait plaisir aussi. Je pense qu'on va en utiliser pas mal des potions pour le petit Tiplouf dans l'arène. Ça nous permet de faire les stocks avant l'arène, concrètement. Bah, elle a pas l'air d'être là, le dresseur. Hein. Enfin, le dresseur, le champion d'arène. Est-ce que c'est lui? Ok. J'avais des Pokémon qui ressemblaient à des rochers, ça m'a drôlement surpris, moi. Bah, elle a pas l'air d'être là, hein.
m'a dit d'aller dans la mine. Je me suis faite violenter. Coco toi. Un petit racaillou. On va le choper. Bon bah c'est un one shot hein. Je voulais l'attraper et tout mais c'est un one shot. Tu passais à côté de lui sans le voir. Ah d'accord. On m'a dit que je le reconnaîtrais tout de suite. Zut. Moi je pensais que ça doit être celui aux cheveux roses du coup. C'est toi? Vous voulez peut-être le briser? Non, moi je veux voir si c'est lui le champion de l'arène ou pas. C'est toi madame? Recule un peu et regarde. Grâce à la capacité secrète, tu peux réduire en poussière les rochers qui bloquent le passage. C'est important de faire ça après un éboulement. Si tu obtiens le badge de notre arène, tu pourrais toi aussi détruire les rochers qui te barrent la route. Pour ça, tu dois d'abord vaincre le champion d'arène, c'est-à-dire moi. Ah d'accord. Donc là, il retourne à l'arène. Nickel. Nickel, nickel. Pas très... Ouais, non, c'est pas grave, on lui fait sa fête. Hein. On en attrapera plus tard avec autre chose que Tiplouf. Des racaillons. Oh, nickel. Bon, on va pouvoir l'attraper. On en profite. On en profite. Non. Ah d'accord, oui, c'est police. On part là-dessus. On a attrapé un racaillot. Yay. Nickel. Le nœud de racaillon est acheté au Pokédex. De nombreux racaillots vivent sur les sentiers de montagne. Ils s'enfouissent à moitié dans le sol pour épier les alpinistes. Ah d'accord. Il l'a envoyé dans le PC, je voulais le rename, mais du coup, je fonce à l'arène. Chacun ses priorités dans la vie, d'accord? Oh, c'est pas gentil de me voler de la vie, Nocerapti. Je suis choquée déçue par ton comportement condescendant. On s'en va. Ah attendez, je vais récupérer la Pokéball avant. Oh bah tiens qui voilà. Un petit Onyx, moi essayer de le choper. Coucou, bah t'es fatal. Non. Non. On a presque one shot. Presque. Et ta. C'est pas très gentil ça, dis donc. C'est pas très gentil. Et voilà pour nos beaux yeux. Vous voulez donner un surnom? Préparez vos surnoms pour les prochains. Je vais chercher la Pokéball, je vais faire le tour. Et voilà pour nos beaux yeux. Ah, on l'a déjà lui. On va lui faire sa fête. Non.
ta 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 ta. Non, ça me fait vraiment trop plaisir d'être sur ce jeu, sachez-le. Je suis vraiment contente d'être sur ce jeu. Je vais le torcher. Désolée, mais je vais le finir. Je vais le finir, je vais passer toute ma vie dessus. Demain on fait un live 12h du coup Lolo. Tiens, on a un Crazyx qui évolue. Demain on fait un live 12h, on va faire beaucoup de Pokémon Diamant et Perle du coup les loulous. C'est bon, je suis dessinée. Live 12h demain. Stylé. Un Meloncric moustachu. Ok, parfait. C'est quoi ces petites données? Ce Pokémon croise ses bras affûtés devant. Devant son torse lorsqu'il crie, il improvise des mélodies. Il apprend Taillade. Que qui va arrêter d'aller en cours pour jouer? Non, j'ai trop de boulot en plus. C'est pas très raisonnable le live de 12h de demain, mais... C'est de la faute de Pokémon Diamant et Perle. C'est pas ma faute à moi. C'est un petit peu ma faute quand même. On va soigner tout ce beau monde et on fonce à l'arène. Hein. Donc c'est parti. Il y a la petite Mio qui veut rentrer aussi. Une petite Mio, une. Elle est partie aussi vite qu'elle est arrivée, dis donc. Allez, go. Ta ta ta. Je vais mettre dans le titre qu'on fera un live 2h demain. Hop là. On est chaud pour la reine? On est chaud. On est chaud, cacao. Chaud, chocolat. Si tu aimes tes ananas, moi je t'aime notre coco, c'est grave stylé. Petite arène toute simple. Quelques dresseurs à affronter. Est-ce que je peux sortir pour aller me soigner quand j'affronte les dresseurs qu'il y a dedans? Comment vas-tu, futur maître? C'est aussi ce que j'ai dit à ce garçon impatient qui était là tout à l'heure. Le champion de cette arène utilise des Pokémon de type roche. Écoute bien, les Pokémon roche détestent l'eau, pas vrai? N'aime vraiment pas beaucoup les capacités plantes non plus. Pfiou, ça en fait des faiblesses. Ne crois pas que ce sera facile. Quand on est champion d'arène, on sait compenser ses faiblesses. Enfin, attaquer un Pokémon roche avec un Pokémon faux ne serait pas très intelligent, ça c'est sûr. C'est ce que je peux te dire, merci de ton attention. J'ai l'impression qu'on peut même éviter les dresseurs qu'il y a. Souvent j'aime bien les taper quand même pour XP. Mais là on peut si facilement les éviter. C'est honteux. Bienvenue à l'arène de Charvou, je suis Pierrick, le champion d'arène. Je combats fièrement aux côtés du Pokémon Rush. Montre-moi tes compétences de dresseur et la force de tes Pokémon. Ta ta ta. J'espère pouvoir affronter les autres après par contre, au retour. Ce serait cool. Ce serait cool. Ta 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 ta. C'est Pierrick. Oh non, j'ai dit que c'était une fille tout à l'heure, pardon, je suis désolée, je voulais pas. Ok, on lui fait sa fête. En deux coups, ça devrait le faire. One shot, au suivant. Je crois que tu peux pas combattre les autres. Ah bon? C'est trop triste, moi j'aime bien tous les combattre. C'est trop triste. Zut. Tu veux dire je peux pas les combattre après? J'aurais dû les combattre avant. Si tu as battu le champion, zut. Oupsie. Ça m'aurait donné un peu de challenge. C'est pas très gentil ça, de faire léviter les roches et tout. Moi je trouve pas ça très gentil. Il lui reste 2 HP. Allez 4, soyons fous. Je balance pistolet à eau en continu parce que plus je joue cette attaque, déjà parce que c'est la plus efficace, et plus je joue cette attaque, plus elle va faire de dégâts. Je lui ai mis le métronome. Je lui ai mis... un objet à tenir, le métronome, du coup, plus je la mets, plus elle fait de dégâts, donc un petit plaisir. Un petit plaisir. Ah, ça fait plaisir. Tout à fait. Il peut oublier gros yeux, ça sert à rien, gros yeux. Na, na,
Litchi va faire la même chose, je pense. Tout à fait. Bah, la même chose. Toujours la même. Oupsi. Tout le monde monte de niveau, en fait. Concrètement. Un Cranidos, voulez-vous changer de Pokémon? Non, continuez sans changer. Ce Pokémon sera plus glorieux que les précédents. Il est stylé et je le veux. On lui fait sa fête. C'est pas très gentil de me faire un coup de boule. Oh oui, en effet, plus glorieux que les précédents. Je confirme. On l'a one-shot. Il a fait plus de dégâts, mais on l'a one-shot, donc bon. Ce fut assez rapide, en fait. Ce fut assez rapide. Vous avez battu Pierrick, le champion. Non. Quoi? Impossible, j'avais tellement entraîné ces Pokémon. Non. Et voilà pour nos beaux yeux. C'est un peu embarrassant de perdre contre une ressource qui n'a même pas de badge. Mais c'est comme ça. Tu étais plus forte que moi, c'est tout. D'après le règlement de la Ligue Pokémon, tu dois te donner le badge de notre arène. Puisque tu m'as battu. Voilà le badge charbon officiel de la Ligue Pokémon. Yay. Stylé. Pierrick vous donne le badge charbon. J'aimais trop sur la DS les lustrés pour qu'ils brillent. Je kiffe. Le badge charbon permet d'utiliser la capacité secrète avec la troc. Tiens, tu te donnes ça aussi. Des CT, trop bien. Vous rangez les CT dans la poche. Elle contient la capacité piège de roc. L'inflige des gaz ennemis qui rejoignent le combat. C'est pas fini. Moi aussi, les sauts que j'utilise. Prends-les, ça te fera un petit souvenir. Merci. Tu ne peux l'utiliser qu'une fois, alors réfléchis bien avant de t'en servir. Ça marche. Est-ce que je peux les taper maintenant? Oh non, je peux plus les taper, zut. J'aurais dû les taper avant parce que ça aurait été un jeu d'enfant, si vous voulez mon avis. Zut. Bon bah tant pis. Hein. On a officiellement terminé l'arène roche là-dessus. C'était très facile. C'est la première arène, donc c'est pas très étonnant. On va aller soigner notre team et puis on va aller chercher nos Pokémon légendaires. On va arrêter la VOD là-dessus, j'espère que cet épisode vous aura plu.